Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'infos sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Merci à Moussa pour me permettre de vous atteindre au départ tout à l'heure si j'ai sur mon trésor la présentation de ce bulletin d'infos. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session d'information avec cette nouvelle qui nous dit que la députée provinciale élue de la montagneuse ville de Likasi, honorable Ejicha Lamobikai, a procédé à la remise d'un lot important à des volailles, mais aussi les vivres des volailles, les mangeoires et les brivoires de ces volailles dans les différentes sections du parti politique UDPS, Fédération de la montagneuse ville de Likasi. Suivez donc cet élément de reportage. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. C'est sur les ailes de cette sagesse que repose la portée sociale de l'action de l'honorable Ejicha Lamobikai, député provincial en vacances parlementaires, aux différentes sections de l'UDPS Tshisekedi, parti présidentiel. C'est un lot de volailles qui est remis au président sectionnaire pour la viticulture. Une manière pour la bienfaitrice de booster l'esprit entrepreneurial au sein du parti présidentiel. On a eu aussi ma chef de l'État et on est la première membre de l'entrepreneuriat. La chie a tapé sur quoi mon période de la campagne. Sur le schéma, à tout le monde peut-être, on a pas fait une partie, mais je vais soutenir mon projet de l'entrepreneuriat parce que tu m'attends. Banque, je vais en charge, je vais en campagne. Souci, c'est que mon but est avoir ma coupe. Des mangeoires, des brevoirs, les nécessaires pour le développement de cette activité. Cette action de développement de l'honorable Ejicha Lamobikai s'est également étendue à la section Panda. Des volailles, aliments pour volailles, mangeoires et brevoirs ont été également remis. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, fièrement, Ejicha Lamobikai. C'est tout, le parti est touché à Yafanchikak. Vraiment, les membres moi, ils n'ont touché, n'a touché section, n'a touché population à Panda. Sinon, nous n'avons pas tout encouragé. Un délai n'a pas eu de la fin. L'honorable Ejicha Lamobikai est loin de boucler ses actions de gratitude pendant ses vacances parlementaires. Poursuivons cette session informative en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État RD congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans son bureau de travail la forte délégation de l'Organisation des Nations Unies, conduite par le secrétaire général adjoint en charge des questions liées à la sécurité au niveau de l'Organisation des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, qui était à la tête d'une forte délégation dans le but d'échanger sur les processus de paix de Luanda à travers les questions liées à la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Conduisant une importante délégation de diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais, João Lourenço. Nous avons évoqué avec M. le président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique, des efforts diplomatiques qui sont en cours
Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. Pendant ce temps, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a reçu la forte délégation conduite par la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Lucas Suminwa, qui s'était accompagnée du ministre des Finances, Dodo Fouamba, mais aussi les ministres du Budget, Aimé Bougie, dans le but d'échanger sur les axes prioritaires du projet de loi des finances exercice 2025, mais aussi les axes prioritaires du programme quinquennal de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Merci beaucoup. En fait, si vous vous rappelez, quand j'ai été investie à l'Assemblée nationale, j'avais indiqué que j'allais me rendre disponible pour des concertations régulières avec les deux chambres. On l'a fait la semaine dernière avec le président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, c'est une séance de travail qu'on a pu faire avec le président, l'honorable président du Sénat. Et c'est juste pour pouvoir s'assurer que maintenant que la session parlementaire a commencé, particulièrement c'est une session budgétaire, il était important qu'on échange sur la manière dont nous avons travaillé sur ce nouveau projet de loi des finances pour 2025, juste attirer l'attention sur l'une ou l'autre chose par rapport aux axes d'intervention qui ont été pris en compte, en rapport évidemment avec le programme d'action du gouvernement et les 6 engagements du chef de l'État. Donc c'est ça qui a fait l'objet de notre séance de travail. Et puis vous avez suivi sur les antennes de la centrale radio-télévision la visite qu'avait effectuée Monseigneur Donatien Chollet sur les sites du Collège des Salles et il a lancé un appel à l'endroit du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux de s'imprégner du dossier portant spoliation de l'espace appartenant au frère Xavierien de la ville-province de Kinshasa qui concernait les collèges des Salles de la ville-province de Kinshasa. Réponse du berger à la bergère, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a pris son retour dans la capitale de la République démocratique du Congo, effectué une visite sur les sites du collège des Salles de la capitale RD congolaise et a ordonné à l'immédiat que le passage de l'entrée principale du collège des Salles soit réouvert, bien évidemment, aux élèves. Question que ces derniers puissent commencer à passer par à cette entrée principale pour accéder aux installations de leur école de la capitale RD congolaise et que les murs qui avaient été érigés devant l'entrée principale soient démolis. À l'immédiat, a exigé le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux et a instruit l'auditeur supérieur de l'auditorat de la capitale RD congolaise de s'imprégner du dossier et que les enquêtes soient diligentées pour rétablir les frères Xavierien dans leurs droits. Suivez. Que des milliers d'élèves du collège de La Salle sont contraints d'accéder à cet établissement scolaire. Sur place, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, vient inspecter chaque compartiment de cet établissement. L'entrée principale barricadée, aux alentours de cette école, les restaurants de fortune implantés entravent le bon déroulement des activités scolaires. Pour remettre de l'ordre, le patron de la justice instruit l'auditorat supérieur des FARDC d'ordonner la cessation de travaux de construction et de démolir le mur érigé devant le portail pour faciliter la mobilité des élèves. Vous interpellez tous les responsables. Étant donné qu'il y a la présence des policiers militaires, vous identifiez ces militaires et policiers et vous amorcez les enquêtes. Hein. Vous ouvrez d'abord des enquêtes judiciaires, vous interpellez et les responsables okay, d'ici et ceux qui construisent. Donc vous avez 48 heures pour me faire un rapport concret pour nous permettre d'établir les responsabilités. En bon père, Constant Mutamba recueillit les desiderata des élèves qui sollicitent son intervention pour endiguer cette spoliation. Je ne veux vraiment pas entendre qu'on a poursuivi les travaux de construction ici. Il n'y a plus aucun ouvrier. Donc dans 2-3 heures, je ne veux plus voir d'ouvrier ici.
Okay. Comme ça, ça vous permet de manière provisoire de libérer l'entrée de l'école. L'éducation étant l'une des priorités du second quinquennat de Félix Tshisekedi, Constant Moutamba promet de mettre le boucher double pour décanter cette situation. Fin de ces bulletins d'infos sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis avec assis comme dans les encadreurs de cette ville et continuez nos programmes chez vous. Bye.